Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous parlons vite sur la cérémonie, présentation et distribution symbolique FreeDAT. Gouvernement ici intéressé voir qui sortit dans le pays Arabie Saoudite. C'est information ça nous porter pour vous. Si c'est premier, faut visiter nous, information nous partager ou intéressé. Pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Bombard Media Now là. Et bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ou même cap gardem là ou bien cap tendem ou bien pour dire pour qui ça fait ça dîner pas venir chercher dans distribution date parce que dîner pas occupé de affaire de l'eau. Effectivement, a bien raison sur poser question ça, mais comme élément de réponse que me capable baou nous t'ai saisi de dossier officiellement de l'Arabie Saoudite le 3 juin 2020. Pour qui ça? Je te dis nous, yon gon donation en date, 25 tonnes de date, qui en dans entreposage port de Port-au-Prince depuis 25 mars. Je dis nous, mais ligne maritime là, yon pral payer des frais dans le moment ça qui te avoisiné les $15,200 américains, frais d'entreposage. Je dis nous pour nous faire intervention ou bien pour nous jouer rôle de facilitateur pour Dakla arriver à destination. Mais ti handicap qui te gagne dans arriver Dakla en Haïti, c'est que vous avez adressé le gouvernement haïtien qui n'est pas en lui-même une entité. Donc, les lui ici, pas grand monde qui est capable de prendre en charge. Retard au niveau des uns et des autres fait que, eh bien, personne par contre qui est capable de date là. Fayez dit qu'on s'appelle le pape capé et frais ça, parce que le trop élevé pour lui, $15,200. L'autre institution pose des difficultés, mais nous saluons coup de main, non seulement la présidence, à travers son excellence Jovenel Moïse, nous saluons coup de main. Premier ministre, là, son excellence Joseph Jout, et nous saluons coup de main, ministre économie et finance, là, par l'entremise de Patrick Boisvert, qui était ban nous coup de main dans le niveau paillot. Et bien finalement, dîner pas avec accompagnement de bailleur de Folio, puisque vous avez mis un fonds qui est le fonds COVID-19. À la disposition de Dinepa pour adresser problème de loi par rapport à demande que nous recevons et nous continuons à recevoir dans le cadre de lutte contre COVID-19 là, eh bien nous te chita avec Bayo, nous te dit Bayo, Bayo coup de main. Et en dans travail que Dinepa fait dans le cadre de COVID là, il y a 5 axes d'intervention. C'est sensibilisation, communication, c'est appui aux institutions publiques parapubliques, et c'est ça qui fait porter l'initiative ça que nous avons fait avec le ministère de la Santé publique et de la population et CAS, parce que faut que nous baillons coup de main dans le niveau panneau. Troisième axe, c'est l'établissement du poste de lavage des mains. Nous avons remarqué que Dinepa, eh bien, pas fait l'autre bagaille que mettre poste de lavage des mains. Et pas plus tard que hier, nous recevons une demande formelle du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle par l'entremise du professeur Agénor Cadet, qui, conformément à une demande que nous déjoignons un petit peu avant du ministre Greta Clément, qui te dit qu'il faut dîner pas débrouiller le coup de Jean-Jacques pour mettre poste de lavage des mains devant toute l'école nationale et devant tout lycée en particulier. Et mes demandes là adressées à Bayo pour nous,
ou bien à travers Bayer, ou bien à travers le gouvernement, ou bien les deux, comment capable de mettre poste de lavage des mains qui varie, qui capable de varier en termes de capacité entre 60 et 300 gallons d'eau, et bien pour Timounio capable de laver mieux dans le cadre mesure que santé publique chapeauté, et bien pour nous faire face à la pandémie. Ça. Pour qui ça, n'a pas parlé de date. Premier nous a dit, c'est bon bagay qui même gagne en Haïti. Non, c'est pas vrai. Qui gagne en Haïti, son bagay nous perdit et que nous obligés retourner à Vel. Date, son fruit. Nous parlons de mango, son fruit. Nous parlons de zaboka, son fruit. Eh bien, tant qu'on tout fruit, date pas nous manger, mais date compléter sa moun manger. Bien dit, date pas nous manger, date compléter sa ou manger. Parce que en dedans date, gagne nutriments. Nutriments sont série de bagay corps ou pas ka fè. Yo antikal, mais là on parle encore, ou senti ça. Ou fin manger assiette manger. Vente en plein, vente de boutonnet, mais j'ai ap chachon bagay pour mettre parce qu'on senti gayon bagay ou manke vente pour qu'on fin plein jan pou plein. Ça veut dire la faim silencieuse, grand goût pas fait bruit, c'est lui même qui peut calmer. Et pour le calmer, son mot se fruit ou manger. C'est dans ce sens ça date la rentrée. Lui rentrée pour compléter son manger, pour boucher dernier petit trou qui faut sentir pour qu'on satisfait pour son fin manger. En plus de ça, le directeur a dit que date la rentrée dans un paquet réponse COVID-19. Ça date vin faire dans réponse COVID-19. Oui, il y a place li. Parce que tout le monde a dit si le système immunitaire nous bon, nous a protégé. Ça veut dire si Kaela, qui c'est quoi nous, des bons potes, avec bon serrure, avec bon cadenas, même si maladie a frappé le pape qui rentré. Et qui ça cap fait le pape qui rentré, c'est le système immunitaire qui est en dedans. On. Même vous nous connaître que le système immunitaire est un bagage qu'on acheter dans la pharmacie. C'est pas un bagage qu'on acheter dans le marché. C'est un bagage qu'on porte à travers le marché et c'est le corps qui bâtit. Donc, date là, avec salgué comme élément en dedans, qui c'est vitamine A, caroténoïde, qui c'est phénol, empêcher cellules corps mourir trop vite. Donc, il y a la capacité pour le gommer. Et actuellement, vitamine A, il y a pu utiliser non seulement pour prévention cancer, mais pour bloquer cancer s'il apparaît dans le monde. Donc, il y a vitamine A, donc nous avons un élément qui pour protéger. Donc là, il y a l'autre bagaille qui est l'antioxydant. Antioxydant, lui-même, c'est camper devant. Sans manger pas bon pour le faire, c'est lui qui mourit plus vite. Et il dit, moi, je prends ça. Yo. Antioxydant prend ou le mettez sous côté, li baye cellule latent pour faire ça, pour faire comme travail. Donc li empêche le mourir vite. Date la gen la dans le fer, li gen la dans le cuivre. Et nous connaissons que Haïti actuellement a fait face à un problème anémie. Anémie, c'est bon bagay ou à le traiter seulement avec graines. Premier traitement anémie, c'est avec manger. Et c'est ça que la nutrition joue une place li en dedans parce que la nutrition fait un travail prévention. Ne pas quitter maladie à l'entrée et ne pas quitter maladie à venir trop grave. Pendant qu'on a parlé de zépina, on a parlé de poupier, on a parlé de feuilles dans le panier, on a mis date tout parce que date pote fer et une bonne quantité de fer, l'hypote cuivre, c'est cuivre qui baille sans couleur rouge là. Donc nous, on a des éléments. Date là, il y a potassium. Nous avons plein de monde en Haïti qui prend maladie, qui prend médicament pour tension. Et nous connaissons, nous avons mangé figues, mangé orange, mais ça est cher. Pendant ce temps-là, nous prend 3 graines d'acte pour une journée et puis nous avons une quantité de potassium qui besoin. Date là, il y a dans le magnésium.
magnésium permet corps fonctionner bien. Et nous connaît dans tout le monde qui a un problème cœur. Les pour un problème tension, un problème cœur. Et ben magnésium là a permet régulation cœur. Ensuite, nous voyons que pendant que gen boumè, ou ap pran médicament pour cholestérol, pour baisser, ou pas pran médicament pour cholestérol, pour pas baisser, parce que scientifique bon corps d'accord, et ben dat la vini lui-même nous réguler cholestérol là, il permet que quantité arrêtée Jean le doyer en dedans corps. Et les pilules régler cholestérol là, il diminue risque pour nous faire problème cardiovasculaire. Nous gagnons en responsabilité pour nous assurer nous que eh bien institution qui pourra bénéficier des fruits ça qui dans département nous parler ensemble avec responsable institution ça pour compatriotes pour Frene Action capable de gagner pour fréquenter institution ça capable bénéficier fruits ça qui gagne un paquet valeur nutritive docteur Maron nous expliquer lui qui gagne un paquet nutriments la donne qui permettre que croix qu'embé puisque dans nos pays côté que en pile fois nous manger dans nos ventres pleins mais nous pas manger assez et bien éléments qui pour permettre croire qu'embé et lutter contre des fois agression qu'elle a subi. Donc dans ce matin nous remercier encore DG Dinepa, nous remercier docteur Adouin qui l'a tourné dans sanatorium puisque il était qu'à poser question pour ça sanatorium là mais tout le monde qui gagne problème et bien tuberculose ça veut dire que système immunitaire autour baisser diminuer. Donc on se trouve avec docteur Maron et bien date là il y a des éléments là-dedans qui permettent que courant gagne plus âme pour le romain face à un microbe. Maintenant matin pour finir n'a clarifier un bagage pour pas gagner et ambiguïté sous lui. Date là c'est pour médicament contre Covid-19. Pour vous ça clair. Tout le monde pas dit que gouvernement santé publique gagne un produit ensemble avec Dinepa nous mettez des CAS pour distribuer ces médicaments ça qui bon pour Covid-19. Vous voulez ça clair. Donc les bons médicaments pour Covid-19 parce que Covid-19 te répété là. Li pas le bagage que nous prenons vendre tout côté monde fait Covid-19. C'est un élément, c'est un fruit qui gagner des substances là-dedans qui gagne des éléments nutritifs là-dedans les consommer qui permettent quoi des plus amnamen plus argument amen pour le gourmet face à microbe qui attaque même beaucoup de CAS les docteurs et les directeurs ils doivent être les noms nous te voyons dans l'initiative que une mission que nous gagnons c'est permettre monde qui n'est pas capable et vraiment solliciter quelque chose. C'est dans ce sens, nous avons un projet à cœur et nous sommes même au niveau CAS, nous sommes responsables pour nous faire distribution dans tous les 10 départements du pays. Et distribution ça, et nous avons dit que la fête à travers centre hospitalier, à travers centre d'accueil, à travers asile, et ensuite à travers un centre sportif. Et c'est dans ce sens, et côté par nous, et staff techniquement, et nous te chita concernant la bonne petit plan, faut qu'on dise que le gouvernement lui recevoir environ 1250 caisses. Et date pour nous distribuer dans tous 10 départements pays. Et nous te font une répartition, nous te dit que dans l'asile communal, ensemble avec le centre d'accueil, nous avons distribué 400. Et au niveau des centres hospitaliers, nous avons distribué 850 qui bannent au total de 1250. Et dans la répartition, nous disons pour l'Ouest, le centre hospitalier, nous avons distribué 150. Au niveau asile communal, toujours pour l'Ouest, nous avons distribué 95. Pour Nord, nous avons distribué 100. Et pour centre hospitalier, disons, et pour asile communal, on a distribué 50 caisses. Pour Atibonite, dans centre hospitalier, on a distribué 5 caisses. Et ensuite, dans asile communal, on a distribué 40 caisses. Sud, pour centre hospitalier, on a distribué 75 caisses. Et pour sud-est, et pour sud toujours, pour asile communal, on a distribué 35 caisses. Et pour sud-est, pour centre hospitalier, 75 caisses. Et sud-est, pour asile communal, 30 caisses. Centre, qui c'est un gros morceau pour nous, et nous connaissons qui était vraiment touché tout, on a distribué 125 caisses.
pour centre hospitalier et ensuite pour asile n'a distribué 50 caisses pour NIP n'a distribué 75 caisses dans centre hospitalier et centre d'accueil n'a distribué 25 caisses pour Nord-Est n'a distribué 50 caisses pour centre hospitalier et 25 caisses pour asile dans Nord-Ouest n'a distribué 50 caisses pour centre hospitalier et puis 20 caisses pour asile pour Grand-Est n'a distribué 50 caisses dans centre hospitalier et ensuite n'a distribué 30 caisses dans asile au total et pour toutes 10 départements dans centre hospitalier n'a distribué 850 et pour asile communal n'a distribué 400 faut dire nous que et projet ça venait de la distribution venait de CIS et nous-mêmes nous mettons toutes ressources financières non toutes ressources humaines pour nous permettre que nous fassions bonne distribution. Alors faut nous dire que au niveau de l'association professionnelle des magistrats nous avons fait un travail en 2017 sous Kodja avec des magistrats qui sont dans 18 juridictions pays et certainement que là-dedans la captandine parce que nous avons branché une mission. Nous avons fait un travail pour que nous soyons capables d'analyser non seulement Kodja qui est publié et, mais en même temps tout nous avons travaillé sur le projet de code de procédure pénale là qui gagne pour sortir et bien entendu parce que dès que publier nos codes là il faut gagner un code de procédure pénale tout. Et maintenant après et à partir de c'était en 2017, en 2017, et grand atelier de travail, nous avons fait des réflexions sous l'île, nous avons produit une aide-mémoire que nous avons communiqué avec la Commission Justice et Sécurité du Sénat. Mais malheureusement, qu'on est, et quand l'on a été déposé dans le Sénat, depuis 2017, qui va dire le Parlement va déjà travailler sous l'île, et puis ça va expliquer que bon, le gouvernement pourra le publier lui, sans que pas prendre en considération les recommandations différents secteurs dont et l'association professionnelle des magistrats des faits. Donc, lorsque il y a un cas de figure, ça, après publication, côté que, bon, levé de bouclier par rapport avec des dispositions qui n'en côté là, et la démarche, c'était que nous montions un groupe de travail au niveau de l'association professionnelle des magistrats, et groupe de travail là, nous avons fixé des critères, nous disons, écoutez, nous voulons rendre service à la société, nous voulons objectif dans la démarche, nous voulons critiquer pour nous capables de construire, donc, dans ce cas, et nous, par analyser d'une part les nécessités pour que est-ce une nécessité pour une réforme pénale et la réponse nous est en bas déjà dans l'émission c'est oui. Maintenant deuxièmement quelles sont les avancées du code et que donc l'on retrouve dans ce code qui est publié et troisièmement est-ce que il y a des faiblesses de dispositions qui méritaient et modifiées si oui et bien qui recommandations d'abord pour les avancées ça nous les avancées c'est des points qui positif. Je vais dire rapidement, c'est ensemble de nouvelles formes de déviance qui existaient donc dans la société. Au sein des défis aujourd'hui là et qui posaient et de nouvelles formes et d'actes qui répréhensibles parce que la société a reprouvé. Il y a d'autres formes de comportement. Il y a sanctionné à travers le monde. Et je dis un combat pour que ensemble de sociétés mettent ensemble pour qu'ils soient capables de riser punis et de faire ça. Donc Haïti ratifié de conventions qui côté que pour obligation, il prend des obligations, des engagements pour qu'il soit capable de sanctionner. Si nous prenons la loi sur la corruption qui est adoptée en 2012, bien il inscrit dans démarche, côté que Haïti a été ratifié dans le cadre des Nations Unies, la Convention contre la corruption. Donc le texte n'est pas inséré dans le code pénal là, donc il vient insérer lui dans le code pénal là. Ou qu'il y a tout crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide, il ne pas prévoir ça, mais je vous dis, le code pénal là, il prévoit. Et le plus intéressant, c'est que quel que soit côté où on a commettre, et il y a un crime ça, et puis il nous retrouve sur le territoire d'Haïti. Donc code là-bas, la justice haïtienne compétence pour capable de juger mon ça. Et si la justice haïtienne, pour des raisons pratiques, pas capable de juger mon nom, est capable et arriver extrader mon nom vers un pays côté il commet des crimes. Non. Donc c'est pour nous que au monde pas commettre des crimes de génocide, bien crimes contre l'humanité, de l'autre côté pour venir cacher Haïti. Et la justice haïtienne a besoin de provisions pour capable
poursuivre non bien c'est nous tout profiter tout pour parler de compétences universelles que à bien des égards contre la baie à la justice haïtienne côté que c'est qu'on fonctionnaire haïtien ou même qui dans service diplomatique ou service consulaire on voit des exemples seulement pour l'état haïtien ou actuel dans pays étranger. Donc, en principe, en matière pénale, c'est ce fait que nous la carrière compétent, mais dans le cadre de figure ça, et quand l'embaille, la justice haïtienne compétence, pour qu'on poursuivre autre que nous, à côté que nous capable de nous. Mais ça, on est pour des infractions relatives à l'environnement, comme l'a dit tout à l'heure, donc sanctionner ça, je veux dire, au niveau des municipalités, on est capable toujours de prendre des dispositions, mais dans le code pénal, on va sanctionner les gens qui ont dégradé l'environnement. Donc, ça, c'est une nécessité, je veux dire, parce que je veux dire, non seulement nous avons besoin de droits civils et politiques, nous avons droits économiques, sociaux et culturels, mais nous avons des droits pour nous vivre dans un environnement sain. Donc ça inscrit dans la démarche-là. Bientôt, la protection de l'espèce humaine. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui là? Le trafic, et si on punit traite des personnes, on punit trafic des personnes, et parce qu'il y a une loi et, qui n'est pas trop longtemps qui a adopté sur ça, mais le trafic d'organes d'êtres humains comme cœur, rein ou autre, ça n'a pas fonctionné. Donc, quand la sanctionner, et non seulement ça, mais quand la reprendre tout ensemble de nouvelles lois qui sont extérieures avec le code de 1835 là, ils regroupent, ils ont inséré là-dedans, nous, et les rédacteurs, ils ont inséré toutes nouvelles lois, ça y est, en et nouveau code pénal là. Donc, ajouter avec nouvelle forme de déviance et de pratique qui mérite sanctionner, que vous pénalisez dans le nouveau code pénal là, mais nous remarquons tout que le nouveau code pénal là, lui, écrit dans un style qui est plus clair que l'ancien, parce que l'ancien code 1835, c'est là, quand même la première moitié du 19e siècle, et dont un style, façon syntaxe disposée, et façon phrase formulée, et français que vous avez utilisé, on rend compte que il y a des textes qui sont tellement pas clairs, et chaque fois qu'il y a des discussions sur les 10 avocats ou bien 10 juristes, ils sont capables probablement d'avoir presque une dizaine de sens et d'interprétations différentes, et qui sont une source d'insécurité en matière pénale, parce qu'en matière pénale, la loi est d'application et d'interprétation stricte, et il faudrait que la loi pénale soit claire, s'il n'est pas clair, il est capable de donner lieu à des cas d'arbitraire, et c'est capable ou entrave pour la liberté individuelle. Donc, je veux dire, même en France, je n'ai pas utilisé de français corsé et difficile pour écrire des textes de loi. Donc, c'est français facile, le français courant. Et c'est ce qui est fait dans ce code, de telle sorte que, au gain, on écrit sur l'impitude qui est simple et qui facilite l'interprétation et qui est capable, puisque le facilite l'interprétation, il nous constitue en garantie et contre toute interprétation abusive qui est capable de causer des atteintes aux droits et des individus par les juges, parce que toute loi est plus claire, donc le juge n'a pas gagné trop d'efforts d'interprétation et bras le fait, et que de plus, il a même dit qu'une loi claire ne s'interprète pas. On l'applique tout simplement. Mais lorsque la loi n'est pas claire, donc capable de gagner une excellente interprétation, côté qu'une mauvaise application et qui est capable de causer des dégâts à la liberté individuelle. Donc, entre autres, c'est des remarques que nous faisons pour ça qui concerne les deux points positifs et qui empilent, moins pas de manière globale, parce que nous ne sommes pas capables de tout ça qui est positif en cas d'émission ça sur le nouveau code. Là, nous sommes donc bien plus bagaille qui est positif et qui doit être considéré dans le cas d'un nouveau code pénal. C'est bon. Bien entendu, si nous prenons par exemple, si nous prenons sous-écrition, question écriture et encore signature électronique. Bon, bon texte, certes, qui était dans le Parlement, adopté sous ça, mais le code pénal, ça, nous reprenons, et sous-prend tout, et question escroquerie, donc qui gagnait dans le code pénal de 1835, là, mais il y a bien qu'en est-il d'un mec qui utilisait Internet et puis qui a offert des produits, et qui a pris code dans le même monde, qui font faire des dépôts, utiliser carte bancaire, etc. Et puis, au fond, il y a des produits qui viennent. Donc, si ça arrive, on pratiquement pas capable de venir au moment où on parle là. Mais avec le nouveau code pénal là, donc c'est différent lorsque l'a pas appliqué, parce qu'on connaît pour entrer en vigueur. Donc, c'est des bagages que y a sanctionné. Et puis, si nous prenons
et tout, bon, comme moi, je vous dis, tout ça concerné trafic, alors pour trafic de stupéfiants, c'est sanctionné dans le code donné actuellement, mais ils ont leur approche et soumis, écoutez que ils en fait et à la fois rigoureux sur quelques aspects, mais de l'autre côté tout, ils sont capables d'échelonner et puis bien et présenter et différentes et échelles de peine mieux dans le nouveau code pénal là. Ok. Gagner tout et gros l'autre bagaille encore, qui fait que nous constatons qu'il y a une forme de dépénalisation dans un certain nombre de comportements. Mais par exemple, sur le vagabondage. Le vagabondage, c'est le fait que on est qui pas frappé d'infinité, mais qui est en pleine forme. Et puis lui capable de dominer la rue, lui pas chercher un domicile fixe, etc. Mais je dis à son problème social lié, côté que des mondes au-delà de volonté, ils ont trouvé dans une situation dans un état de fait. Mais l'État n'a pas une politique de sécurité sociale pour capable de prendre ça en considération. Donc le code pénal a fait une dépénalisation de ça, qui vient peut-être tomber dans la défiance et non pas dans la délinquance. Et la mendicité, par exemple, c'est un bagage que nous dépénalisons, mais parce que c'est tellement courant, mais par contre, ils ont sanctionné l'exploitation de la mendicité. Son texte dans l'ensemble qui vient plus de bagages qui sont positifs que négatifs. Mais nous, j'ai exhorté le gouvernement pour garder la voie de la raison, pour que ils aient à parler avec différentes couches socio-professionnelles. Yo, et toute disposition qui touche substrat population, toute disposition qui touche population, non, en termes de valeurs culturelles et valeurs morales, nous capables de modifier pendant qu'il y a protégé de tout le monde. Et nous croyons que si nous faisons modification qui est nécessaire dans ce sens, nous modifions toute disposition qui est contraire à la Constitution, nous modifions toute disposition qui peut paraître adaptée avec la réalité, nous, comme en termes de développement, en termes d'infrastructure, du point de vue structurel. Donc, nous croyons que le code-là, et là, nous code qui est modifié, qui n'a pas accepté par la population, et dans les années à venir, nous avons gagné une réforme pénale qui a été adaptée avec les nouveaux besoins que nous gagnons comme société, et qui a permis que la justice gagne un instrument adéquat dans le pour faire le travail. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour le capable joindre nous, son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.